Ben bonjour Caroline, bienvenue sur le plateau télé de Muséomix. Depuis bonjour. Quand tu es sur place? Je suis arrivée hier midi, donc vendredi dans l'après-midi. D'accord, dans l'après-midi. Et tu viens à quel titre en fait? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors dans la vie, je suis étudiante en master architecture de l'information à l'ENS de Lyon. Et donc, on est venu ici pour observer, pour voir comment se passait Muséomix et sur des points de vue qui intéressent l'architecte de l'information. L'architecture de l'information, bah, je ne suis pas sûre que ça parle à tout le monde. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, c'est un métier du web qui est un métier émergent, qui apparaît en France, qui existe déjà dans les pays anglo-saxons, qui apparaît en France. Et donc, c'est un métier qui consiste à organiser les espaces numériques de façon à ce qu'ils soient accessibles à l'utilisateur et fonctionnels pour l'utilisateur. Et puis, c'est un travail qui concerne donc pas seulement le design utilisateur, mais aussi l'organisation des données. D'accord. Pour qu'elles soient accessibles, interrogeables. Par utilisateur, en fonction de ses besoins. D'accord. Et du coup, de ce point de vue-là, qu'est-ce que Muséomix vous apporte? Alors, un terrain d'études, parce qu'on commence, on est au mois de novembre, donc je suis en Master 1, donc je découvre un petit peu. Ça nous permet, donc on nous a apporté des cadres théoriques en cours, qu'on vient ici appliquer pour une première fois. Un groupe a déjà fait ça sur la Blend Mix. Et notre groupe à nous de travail travaille sur Muséomix. Donc on vient passer l'événement au crible du cadre théorique qu'on a choisi. Et puis aussi faire un peu de communication autour de l'événement, c'est-à-dire qu'on observe, on a choisi des thèmes un peu qui nous plaisaient de regarder, sur lesquels on va écrire des billets de blog, donc on observe. D'accord. Donc pour l'instant, vos conclusions ne sont pas encore faites. Ah non, on ne peut pas du tout conclure là. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des outils numériques qui sont utilisés déjà avant l'événement pour faire la communication, fédérer un petit peu les volontaires. La communauté. La communauté, voilà. Des outils qui sont dédiés à l'organisation, qu'on a un tout petit peu aperçu. Sur place, des outils qui sont dédiés au travail des muséomixeurs. Par exemple, il y a une plateforme Open Data qui est mise en place. Il y a ce plateau télé, des outils de diffusion de ce qui va être filmé là, des webcams qui sont diffusés en direct, des fils Twitter, etc. Et donc, tous ces outils de communication-là, internes et vers l'extérieur, eh bien, forment des espaces numériques qui sont... Alors, c'est rigolo parce qu'ici, ils sont... réunis physiquement dans un espace qui est là-bas, une espèce de petit salon. Donc, la mix room, qu'on appelle la mix room. Oui, ou ce petit salon qui est avec des écrans sur les murs et puis des sièges au milieu. Et bien, c'est un espace physique dans lequel qui fédère un petit peu ces espaces numériques. Et c'est intéressant à observer. Et puis, j'imagine qu'après, il y a un après Muséomix. Et donc, on va essayer de regarder comment ça se passe après Muséomix pour garder un petit peu cette énergie et en faire quelque chose. Voilà. Et du coup, est-ce qu'une participation à Muséomix un jour, ça pourrait te tenter? Alors, énormément. D'abord, on aimerait bien proposer aux organisateurs de Muséomix un petit projet. Donc, au deuxième semestre, on travaille sur des projets concrets. Et donc, on aimerait bien leur proposer de faire l'architecture de l'information de Muséomix 2014. Donc c'est un appel du pied, un appel de l'œil. voilà. Donc, qui sera entendu, donc, je pense. J'espère. Et puis, un jour, peut-être, pourquoi pas participer à un groupe de muséomixage. Voilà. Parce que du coup, tu as pu observer quand même un peu le travail des muséomixeurs et ça te donne envie quand même d'essayer de créer des dispositifs? Tout à fait, ça donne vraiment envie de participer. Ce que j'aime beaucoup, c'est le côté, on a un objet, un problème à résoudre et il y a 6 profils très différents, avec des compétences très différentes qui doivent finir par produire quelque chose de concret. Ils n'ont que 3 jours pour le faire, c'est un défi. Et puis le défi, c'est aussi de faire travailler ces profils si différents ensemble, travailler l'écoute, travailler surmonter les timidités, les,
pour réussir à exprimer des idées qui sont forcément bonnes. Ce qui est rigolo aussi, c'est les personnels des musées qui sont là à la fois sur un terrain connu, qu'ils ont envie de voir évoluer changer, ouais. Mais en même temps avec des habitudes qu'il est difficile de des bouger. Des petites appréhensions peut-être. Voilà, tout à fait. Donc c'est très intéressant. D'accord. Bah, merci beaucoup à toi, Caroline, d'être passée par le plateau télé. Et puis merci, je te souhaite en tout cas une belle fin de Mise au Mix. Et à l'année prochaine alors. Merci Margot.